plus son coup droit, qui était, on le sait, assez vulnérable. Et sa dernière défaite, Sarah, c'était contre une Chinoise. Bravo. Parce qu'elle était la seule à battre Kim Clijsters depuis un bon moment. Oui, alors à ce petit jeu-là, elle va peut-être faire plaisir au public, Caroline Ashprem, mais je ne suis pas sûre qu'elle tienne la cadence. On repartit sur de bonnes bases pour engager la saison 2006 sous de meilleurs auspices. C'est parfait ce contre-pied. Actuellement, peu de variété. On semble aussi fort à une certaine Iva Maioli dans sa manière de frapper ses coups droits. En grand chelem à l'US Open. Elle n'a eu que deux coachs de référence dans toute sa carrière, Kim Clijsters. Et oui, oui, bah oui, oui, à ce rythme-là, si elle se relève un tout petit peu, étant donné que les balles vont très vite. Bien revenu à hauteur. Et le 3, troisième balle de break sauvée. Bien servi. C'est une éternité ce jeu. Elle va appeler Lindsay Davenport et Maria Sharapova qui sont encore au-dessus d'elle au classement. Et le voilà, le break, il aura fallu 6 occasions à Kim Clijsters. D'être ouais. Numéro 1, parce que c'est elle hein, qui affiche des résultats vraiment hauts. Ouais, bon retour, très long au centre. Il suffit que je vous dise que ça se joue en quelques coups de raquette pour qu'on assiste à un superbe rallye, mais une nouvelle fois remporté par Kim Clijsters. Ouais, le retour gagnant, retour coup de fusil de la part de la Croate. Jusqu'à Calcutta. Où elle a enchaîné. Alors, on va rejouer ce point, il y a eu une annonce. Magnifique, vraiment, quelle cadence, quel rythme de la part de Ashprem. C'est sur la ligne. Ouais, cette fois, elle ne s'est pas trompée avec son coup droit, Kim Clijsters. La joueuse belge. Thank you.
Bien l'idée du filet pour bien déborder Caroline Ashprem. Énormément de risques, tenter les points gagnants. C'est dehors. Et elle est obligée de forcer, hein, Clashters, pour déborder son adversaire. C'est un retour en contre. Quasiment un retour réflexe. Droit devant. Elle a vraiment des qualités, Caroline Ashprem, qui... Ouf, oui, c'est splendide, hein, c'est en contre-pied. Pas grand-chose à dire. Elle doit sortir des sacrés grands coups, hein, pour la mettre, comme on dit, à 10 mètres de la balle. Qui n'est pas encore terminé. Oh, Ace sur deuxième balle. Tous les risques encore une fois pour Caroline Ashprem. Et le 2. Et le 2. Oui, c'est fait. Voilà. La troisième balle de set était la bonne pour Kim Clijsters face à Caroline Ashprem qui, malgré une très belle résistance, s'incline 6-3. Oh, ça c'était extrêmement long. Plus le temps passe, plus les risques qu'elle prend sont élevés. Oh là là. Oh là là. Oh, c'est super. Dans le contre-pied. Pourtant, la défense aurait pu faire basculer le... Elle est vraiment dangereuse en deux coups de raquette. Remarquable. Ouais. Eh oui. Ça se transforme en coup gagnant. En amorti gagnant plutôt. Hey. Réduite à défendre. Clijsters, c'est quand même extraordinaire. Vraiment impressionnante. Corde cassée. Même pas le temps de monter au filet, elle est trop loin. Peut-on gagner un échange avec une corde cassée? Oui. Eh ben oui. En jouant trois fois avec la corde cassée. Il y a dans ces cas-là... Pour Clijsters...
là là, quel point pour ne pas faire toucher la balle à Sprem. Elle va certainement écumer les qualifications par son classement de 68. Mais elle risque de les traverser certainement beaucoup plus facilement. Allez, un troisième ace. On est très très médisant, Bertrand, parce qu'elle les touche aussi très bien, les amortis. Si elle manque d'application, mais ce ne sont pas des petites erreurs. Oui, oui. Ce sera une balle de match pour Kim Clijsters. Et un ace. Deux dans ce jeu, quatre total pour Sprem, petit sursis. Voilà, c'est terminé. Kim Clijsters remporte son premier match de la semaine. Elle s'impose 6-3, 6-2 face à Carolina Sprem. Match plus difficile tout de même que le score ne l'indique face à une Croate qui est en train de revenir à un bon niveau et qui devrait remonter dans les semaines à venir au classement après être tombée de 50 places au cours de cette saison 2005. Clijsters sera opposée à Dementieva en quart de finale.